moi je m'appelle Nimu et je suis venue au TGS déjà pour donner un coup de main sur un stand qui parle de web-série, plus un petit peu de l'Académie de Minuit qui est un regroupement d'auteurs donc, qui font des recueils de contes, des romans et tout, qu'on aide à développer et tout par des différentes maisons d'édition. Et plus particulièrement, je suis venue aujourd'hui en fait présenter au Noob une petite fanfiction que j'ai faite, que j'ai montée, j'ai fait le scénario et tout, et on en a fait donc un épisode d'une dizaine de minutes, dont la bande-annonce est officiellement mise en ligne aujourd'hui, donc on vous passera tous les liens et tout. Et derrière, il y aura un épisode au mois de janvier d'une dizaine de minutes. Voilà, un petit clin d'œil au Noob, parce que c'est un petit peu le début en fait de ma grande aventure, autant au niveau de l'écriture, autant au niveau des rencontres, autant... Voilà. Donc, mon petit clin d'œil au Noob, que ça fait une année en arrière quasiment, voilà. On a eu la chance d'avoir des guests, des Noobs qui ont participé, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que voix off. Et du coup, tout ça, ça prend quand même du temps parce que on débute, on démarre, on découvre. Et du coup, c'est plus long que ce qu'on aurait pensé à monter, mais franchement, le résultat dépasse de loin mes espérances, en tout cas pour cette partie-là. Le reste, vous découvrirez, je fais la plupart des scénarios, donc voilà, vous aurez toujours un petit peu de Nimu dans nos vidéos. Alors, la série en question, celle-ci, c'est juste un épisode qui s'appelle « La dernière capture », où mon personnage en fait va aller dans le monde d'Olydri pour essayer, tant qu'elle le peut, de rencontrer Spectre en fait, tout simplement. Et après, derrière, je fais partie de ce qu'on appelle Infected Studio. Donc, c'est un petit studio de production suisse, il n'y en a pas beaucoup, qui vont créer des web-séries et d'autres petits épisodes, d'autres petits courts-métrages, selon les envies, selon les inspirations. On va collaborer évidemment avec d'autres personnes qui travaillent dans d'autres web-séries, en Suisse, en France, partout ailleurs en fait. On est vraiment ouvert, on aime collaborer, on aime partager. La web-série qu'on va monter sera dans un univers un peu différent. Ça parle encore des jeux vidéo, mais dans un univers un peu décalé par rapport aux Noobs. Ça n'aura plus rien à voir avec les Noobs. Et les autres petites vidéos qu'on fera, ce sera selon les envies, selon les idées des gens, etc. On est très ouvert aux propositions. S'il y a des gens qui tout d'un coup ont des idées puis qui nous disent j'ai écrit ce texte là, ça me ferait plaisir de voir mon vidéo ou des choses comme ça, qui prennent contact avec nous, on essaye, on teste, on montre ce qu'on peut faire et puis on va se développer comme ça, voilà. Alors il y aura une chaîne YouTube qui va être bien fournie au fur et à mesure, que ce soit par ce que nous on va faire ou autrement par des personnes qui font aussi des web-séries ou des épisodes ou des petites choses comme ça. Bref, tous les potes, on va partager, on va faire de la pub et tout. On compte bien évidemment sur eux pour faire pareil pour nous. Et à côté de ça, vous nous trouverez donc sur YouTube, sur Infected Studio. Il y aura une page Facebook aussi. Donc on est en train de monter ça petit à petit, mais on essaie de faire les choses bien pour déjà vous proposer directement du contenu, directement quelque chose qui va... Mois par mois, il y aura des nouveautés et tout, pour pas avoir une chaîne qui reste en stand-by et qui meurt avant d'avoir commencé réellement. Donc on essaye vraiment de monter quelque chose de bien avant de mettre en ligne. Et là, c'est la première petite chose. Voilà. Merci beaucoup et plein de bon pour tout le monde. Et franchement, continuez, c'est cool.